À quoi tenez-vous? L'Anthropocène s'impose chaque jour avec une urgence plus aiguë qui ouvre un précipice, tant l'inaction semble grande. Cet effondrement offre la possibilité d'un tournant, répondre à la question « que faire ?». C'est aussi se demander comment penser et comment imaginer. L'avion pollue énormément. Le monde et nous, le monde est nous, le monde et nous, le monde et nous. Soyons attentifs à ne pas piétiner la façon dont ces entités peuplent leur monde respectif. Non, c'est à quelqu'un d'autre. C'est un modèle du futur, car au lieu de l'Internet des objets, on pourrait dire que c'est le corps ou les appels somatiques ou des cellules des choses qui parlent. Innocemment, naïvement, directement. Il faut que les cuirs humains acceptent les différences qui sont introduites et que les cuirs. Il faut les trouver. Ces critères contribuent-elles à faire des lieux habitables? L'avion pollue énormément. L'avion pollue énormément. L'avion pollue énormément. Elle vulgarise la recherche en laboratoire, comme beaucoup d'autres artistes d'intelligence artificielle. Ça résiste au désordre, ça force, ça tire, ça se maintient coûte que coûte. Ça ne cédera jamais. Prendre en compte la génération qui parle. La précarité est un concept pour penser le monde qui nous est imposé. Il y a parfois des malentendus entre les noms et les choses. De la boue, bouse, bouse, du temps de la bouse, les pieds dans la bouse, boue, boue. Pourra-t-on réapprendre la langue du bien parler courbe? Accrochez-vous-y et ne le perdez jamais de vue, c'est un savoir utile. C'est bien passé, depuis longtemps. Est rationnel ce qui suit le fil des différentes raisons. Mais vous le savez peut-être, Van der Tuin l'explique très bien. Diffraction is meant to disrupt linear and fixed causalities and to work toward more promising interference patterns. She also explains that this can be practiced by reading text to one another and rewriting. This disrupts the temporality of a piece of writing and can change meaning in different contexts, opening up meaning. Un peu comme une lumière, une onde et une particule à la fois, qui se diffracte en une myriade d'éclats et de directions à choisir, d'interprétations à faire, et qui, pourtant, reste complète et ne se perd pas de vue en elle-même. La situation met en jeu des processus d'apprentissage automatisés par des machines. Vous entendez des machines? Chaque parole m'éloigne de soi. Non, c'est à quelqu'un d'autre. Pensez, nous devons. De guerre lasse. Comment penser? Je ne suis pas certaine d'avoir tout saisi. Comment penser?
performons nos erreurs. Son originalité vient d'un prélèvement d'altération. L'invisibilité fait partie de son cahier des charges. Ce train, il est déjà passé depuis longtemps. J'aime tous les objets. Et rationnel, ce qui suit le fil des différentes raisons. C'est vraiment réconfortant de te montrer quelque chose qui semble... Représentez-vous d'abord avec clarté ce que vous voyez véritablement de vos yeux. Décrivez-vous à vous-même la forme, la couleur et tous les autres attributs de cette graine. Et passez ensuite aux réflexions suivantes. Include apparatus self. Include câble, machine, les bruits, le toucher, la température, ton corps. L'avion pollue énormément. Il n'y a pas plus de monde visible que de monde invisible. Pas plus de monde invisible que de monde visible. Comment penser? Bribes d'ignorance flottant avec les images. Elles mettent à l'abri les images que nous aimons, préservent leur saveur. Leur charme reste entier. Hors de la clarté trop vive des explications. Chaque parole m'éloigne de toi. Penser, nous devons. Comment penser? Se demander comment penser. Performons nos erreurs. Je pense qu'avec cette citation et votre réponse, nous imitons exactement le processus. Like that. Le spécisme, c'est comme le racisme ou le sexisme. C'est quand on considère qu'un groupe, en général le nôtre, est supérieur à un autre groupe. Fabienne a beau aimer son chien Bob, elle ne le considère pas comme son égal. Parce qu'il ne peut pas discuter avec elle, qu'il n'est pas capable de résoudre une équation, ni d'imaginer des projets d'avenir. Pour Fabienne, Bob est et restera une bête. Pour Bob, ça ne change pas grand-chose. Il a la chance de faire partie de la caste privilégiée des animaux de compagnie, nourris, logés, branchés. Par contre, pour Hector, le cochon, c'est beaucoup moins cool. Face à lui, Fabienne ne voit pas le compagnon sympa, mais plutôt un steak sur pâte. Le sentiment de supériorité de Fabienne l'autorise moralement à tuer Hector pour le manger. Mais Brian, le voisin de Fabienne, n'est pas d'accord. Pour lui, ce n'est pas parce qu'Hector ne peut pas raconter ses souvenirs d'enfance, construire son enclos ou se reconnaître dans un miroir
que ça donne le droit de vous tuer. Pour vous, Hector est avant tout une anthropope ? Alors vous êtes vraisemblablement spéciste. Attends, la différence est ici. Je trouve ça assez beau que les queers humains acceptent les différences en étant inclusifs et que les queers fantaisies soient différents et cherchent à guérir ceux qui acceptent les différences. Ça suit de notre formule ? Ouais. Tu peux le redire, s'il te plaît ? Les queers humains qui ont subi des dommages et qui ont de l'affect et force créatrice et des effets, acceptent les différences, tandis que les queer fantaisistes réparent les dommages grâce à leurs différences. Et leurs différences sont acceptées par les queer humains. Donc, tu as une espèce de boucle comme ça. Oui, oui, c'est beau. Assez logique avec ce qu'on a dit, en fait, depuis le début, avec l'imaginaire réparateur. Ah, ok. Ils créent des effets. Ok, vas-y. Et ils sont porteurs, à quoi tenez-vous ? De force créative. Oui. Ouais. Une pensée comme une promenade hors des sentiers battus. Je vous laisse faire, c'est comme ça. Je ne suis pas sûre qu'ils ont de la force créative. Chaque c'est plutôt jour la personne qui y croit. Avec une urgence plus aiguë. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas si on peut l'inaction semble dire grande. Mais ils sont porteurs de. Donc, cet effondrement si en relation à la fête d'un tournant. Mm-hmm. Répondre à la forcément, ça ne joue pas par la fête. C'est aussi se demander comment penser et comment imaginer. C'est une activité créative. Oui. Parce qu'en fait, dans ce que, tout ce que j'ai une force créative. Observé, que ce soit en Corée et puis après au Vietnam, même si quand tu visites les musées, l'avion pollue énormément. Et un peu des temples, il y a tout ce rapport à l'artefact, à l'artifice. Nous, le monde, dans un hôtel, le monde c'est un rituel. Et toutes ces productions donc, sont bien sûr créées par les humains. Par des humains, mais sont destinés à des non, à des inhumains. Et au final, sur les humains, ça fait comme un retour. Ça fait des effets. Et donc, puisque l'arpentage pour les croyances, vite et débattre d'un livre, l'énergie. Chacune ou chacun lit ça peut un chapitre ou une partie. On divise le livre en nombre de personnes disponibles. Donc, et puis l'objectif, enfin, c'est cas, que moi, chacun que j'ai fasse un résumé. Il n'y aurait pas tant de partie de la personne qui et en même temps, il y a une énorme frustration de ne pas avoir lu. Si, ça si en plus, pas on est captivé par le peu qu'on a lu. Il y a, et puis, il y a aussi doublé du filtre inclusif comme un rêve qu'on raconte. On est déjà dans une interprétation. Je pense, mis à part faire une lecture littérale, du moment qu'on fait un résumé oral d'une lecture qu'on vient de faire, on est déjà dans une réappropriation de ce qu'on vient de lire. Alors, oui, c'est riche et en même temps frustrant. Oui, voilà. Mais c'est ce que dit... Il y a parfois des malentendus entre les noms et les choses. De la boue, bouse, bouse, du temps de la bouse, les pieds dans la bouse, boue, boue. Pourra-t-on réapprendre la langue du bien parler ? C'est vraiment le monde du jeu, du mouvement, du dynamisme, de l'enchaînement des choses. Et ne le perdez jamais de vue. Le nomotope, qui vient de nomao, penser, rêver, qui est le monde des idées, des phénomènes. Qui serait vraiment le monde de la pensée, de l'immatériel, du concept, de la réflexion, du savoir, des notions de science, tu vois, tout ce genre de bagage théorique. Et le xénotope, qui comprend tout le reste, qui comprend aussi les autres topes, je pense,
et qui lui va plutôt abriter en son sein ce qui n'est pas imaginable à l'échelle humaine, ce qu'on n'a pas encore découvert, c'est un peu le... Mais vous le savez peut-être, Van der Tuin l'explique très bien. Diffraction is meant to disrupt linear and fixed causalities and to work toward more promising interference patterns. She also explains that this can be practiced by reading text through one another and rewriting. This disrupts the temporality of a piece of writing and can change meaning in different contexts, opening up meaning. Un peu comme une lumière, une onde et une particule à la fois, qui se diffracte en une myriade d'éclats et de directions à choisir, d'interprétations à faire, et qui, pourtant, reste complète et ne se perd pas de vue en elle-même. La situation met en jeu des processus d'apprentissage automatisés par des machines. Vous entendez des machines ? Non, c'est à quelqu'un d'autre. De guerre lasse. Je ne suis pas certaine d'avoir tout saisi. Son originalité vient d'un prélèvement d'altération. L'invisibilité fait partie de son cahier des charges. Ce train, il est déjà passé, depuis longtemps. Est rationnel ce qui suit le fil des différentes raisons. Représentez-vous d'abord avec clarté ce que vous voyez véritablement de vos yeux. Décrivez-vous à vous-même la forme, la couleur et tous les autres attributs de cette graine et passez ensuite aux réflexions suivantes. Include apparatus self. Include câble, machine, les bruits, le toucher, la température, ton corps. L'avion pollue énormément. Il n'y a pas plus de monde visible que de monde invisible. Pas plus de monde invisible que de monde visible. Comment penser? Bribes d'ignorance flottant avec les images. Elles mettent à l'abri les images que nous aimons, préservent leur saveur. Leur charme reste entier, hors de la clarté trop vive des explications. Chaque parole m'éloigne de toi. Penser, nous devons. Comment penser? Se demander comment penser. Performons nos erreurs.